rebelote les pesticides. Oui, dans les trucs bio, on utilise des pesticides. Pourquoi on n'en parle jamais? Ben, c'est vrai. C'est que nanana nanana. Moi, je vais vous expliquer. La sécu, le chômage, le RSA, tout ça, en fait, ça coûte une bricole. Quelques milliards. Par contre, la politique en France, ça coûte 420 milliards par an. Et vous rabotez les retraites, vous voulez des coups de boule ou quoi, là. Je veux vraiment que je m'énerve, c'est pas le projet ARP. Hein. Ça va trembler comme il faut. Hein. C'est simple, il restera pas de quoi faire un cure-dent. Quand les premiers morbacs m'ont bouffé les couilles en mode diplodomaticus, il y a 300 000 ans, j'ai sorti l'ère glaciaire. Je ne sais pas combien de millions d'années, on s'en fout. Je vais demander au carbone 14. Ben maintenant, ça va être l'ère réchauffée, si c'est plus l'ère glaciaire. Tu vois ? Il n'y a qu'à enlever les barils de plutonium dans la mer, il n'y a qu'à enlever 2-3 bricoles. Et arrêtez de dire des conneries à la télé, les supermerdiens. Des histrions que je vous dis. Mauvais acteur de votre vie, vous comprenez rien ou c'est fait exprès. Le mal, il achète ton silence. J'étais à l'armée à la 89-10, c'était Mitterrand Rocard. Morceau d'enveloppe de blague qui montait jusqu'au plafond. Donc je vous le dis, moi, je vais vous le dire. C'est pour ça que je fais crise de Nice. Mon âme n'est pas à vendre. Je suis toujours dans la misère au mégot par terre. À peine si j'arrive à payer le loyer, même plus l'épicerie. Je signe à l'UDAF. Bon, encore ça, ça va. Mmh. Ah, ils mangent pas du pain périmé, hein, les ministres. Hein. D'ailleurs, ils ne savent pas ce que c'est, ils jettent 3 jours avant, mais ils ont des gnomes. Là. Ils ont des... Arrêtez de considérer qu'être riche, c'est bien. C'est de la merde. Pour faire un super riche, il faut faire 100 000 pauvres. Vous ne partagez pas, vous êtes des enculés. Vous êtes individualiste. Vous ne comprenez pas l'esprit du devenir de l'ensemble. Ben, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'emmerde les cons, mais comme il faut. Le problème, c'est qu'ils sont 90% sur Terre. Comme la voisine d'à côté, complètement parano, là. On s'appelle. Maniaco-psychopathe. Vous fabriquez de la merde. Et c'est surtout à cause de la télé. Moi, j'interdirais la télé. Juste un bon film quand il y en a un. Vachement rare. Mais ils disent que de la merde. Je s'y raconte comme connerie. Rendez-vous sur Hello Startup. Ouais. Moi, j'ai mon équipe pour un gouvernement. Par exemple, mon ancien patron, mon 2% Saint-Luc, il a visité plus de 60 pays. Donc, il peut en parler. Il était avec mon 2% Saint-Pierre. Quand même, ils ont géré pendant presque 20 ans. Les deux feux verts de Nice, quand même, bien sûr, hein, ambiance un peu capitaliste, mais c'était pas des mauvais bouts. Moi, Pierre, je l'aime bien, Luc, je l'aime bien. Grâce à lui, j'ai fait Madagascar, d'ailleurs. Tu vois, et sa fille, Eve, non, c'était les tables, j'avais le feu vert de terre. Ce matin, dans le rêve, c'était ça. Le coup de canon à midi pile, c'est au moment où ça a fait feu vert de terre dans ma tête. Un truc de fou dans l'espace-temps. Mais le terminal, il est connecté, hein, dans le disque mou. Là. Entre la gauche et la droite, c'est tout droit. Enfin, voilà. Ça pour dire que nous sommes toujours le dimanche 22. Là, les condés de l'espace. Les condés dans l'espace. Oh, à qui la médecine cassait les pieds? À qui les lois de merde maçonnique sa mère cassaient les couilles, en fait. Tu vois? Tu chauffes pas. C'est comme si, c'est comme ça, tu chauffes ou tu chauffes pas. Voilà.
Voilà. Vous choisissez en toute confiance grâce aux avis clients et vous prenez rendez-vous en ligne gratuitement. Pourquoi on comprend pas?